Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un petit peu blabla en fait, parce que j'ai des choses à dire. Ça fait pratiquement un an que j'ai fait cette chaîne YouTube et voilà, j'ai des choses à dire, donc je vais aller à l'essentiel pour ceux qui veulent tout de suite avoir le message et pas vous faire traîner. Je vais arrêter les vidéos, voilà. Donc ça c'était pour la version courte, donc ceux qui veulent partir maintenant ils peuvent partir. Voilà, ça c'est fait. Maintenant que les meilleurs sont restés, je vais pouvoir développer un peu plus le pourquoi du comment. Donc déjà, quand je dis je vais arrêter les vidéos, c'est que je vais arrêter de faire des vidéos de façon régulière. Je sais pas encore si je vais arrêter totalement ou pas, mais voilà, donc c'est une décision que j'ai prise là il y a quelques temps. Tout simplement parce que, on va pas se mentir, mais je m'étais donné quand même un petit objectif. Je m'étais dit que j'allais voir si au bout d'un an, j'allais pouvoir avoir au moins 1000 abonnés. 1000 abonnés, ça me semblait quelque chose d'assez raisonnable. C'est énorme, hein, j'en conviens. Hein. J'avais quand même des petites ambitions, mais voilà, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Je m'étais dit un an pour avoir 1000 abonnés. Aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, je suis à peine 300 abonnés. Ça fait presque 11 mois que la chaîne est créée. On va pas se mentir, hein, c'est pas en un mois que je vais choper les 700 abonnés qui manquent pour arriver jusqu'aux 1000. Donc voilà, c'est je pense un petit échec entre guillemets, mais voilà. Donc après c'est pas dit que je ne fasse pas des vidéos, mais il faut que je vous explique pourquoi aussi j'arrête, parce que j'aurais pu continuer même si j'avais pas les abonnés, mais c'est qu'en fait ça me prend énormément de temps. Je veux dire, c'est ce que tout le monde dit, et en fait c'est une réalité, même si en plus de base j'avais des notions et des compétences en montage, en tournage, tout ça, enfin c'est des choses que je connais, donc je suis pas parti débutant de rien. Et mine de rien, je trouve ça très long et très dur. Le temps que je passe sur le montage, c'est extrêmement long. Donc c'est pour ça que je réfléchis peut-être à des nouvelles choses qui me permettraient de pas faire de montage en fait sur mes vidéos, ou très peu, du moins. Donc d'avoir quelque chose de plus spontané, peut-être aussi avoir un petit peu plus d'échanges avec vous, parce que moi c'est ça qui me manque aussi, c'est aussi pour ça que je faisais les vidéos. C'était pour avoir une communauté avec qui je pouvais échanger, discuter, etc. Donc je me dis quelque chose qui rendrait un format voilà, qui pourrait donner un peu plus d'échanges avec, avec vous tous. Donc voilà. Écoutez, je ne vais pas m'éterniser encore plus longtemps sur ce blabla par rapport au pourquoi du comment. Quoi qu'il arrive, si vous voulez qu'on continue d'échanger sur ça, bah, j'ai Instagram sur lequel voilà, je suis peut-être le plus actif. J'ai quand même ma page Facebook. Et sinon, bah, y a les commentaires hein, de la vidéo sur lesquels vous pouvez me poser des questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir. Avec moi, il n'y a pas de souci. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous tous. J'ai déjà dit, mais voilà. Je tiens aussi à vous remercier quand même, à remercier tous ceux qui sont là, qui ont été là pour tous vos messages, pour les abonnés, les likes, les commentaires, tout ce que vous avez fait. Donc voilà, un grand, grand, grand merci à vous tous. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Vous imaginez pas à quel point des fois, mais il y a des commentaires ou même juste un like, un abonnement en plus, mais vous imaginez pas, mais moi c'est le seul retour que j'ai en fait de mon point de vue au niveau de la chaîne, et en fait ben, ça me fait extrêmement plaisir, parce que quand je vois quelqu'un qui s'abonne à la chaîne après avoir visionné une vidéo, je me dis mais chouette quoi, c'est-à-dire que ce que j'ai fait ça a plu à la personne, et en retour elle s'est abonnée, donc elle s'attend en plus à ce que j'en fasse plus, et que voilà, elle a été contente du travail que j'ai fourni, et ça plaît, en fait c'est très satisfaisant de savoir que ce qu'on fait ça plaît. Donc voilà, donc un grand merci pour vous tous, pour tout ça, pour tout ce que vous avez fait. Et voilà, donc j'espère pouvoir un jour retrouver peut-être l'envie, la motivation et tout ce qu'il faut pour arriver à continuer à faire des vidéos. Mais voilà, je vous cache pas aussi que j'ai eu quelques petits soucis personnels qui font que voilà, ça devient un peu plus dur pour moi de continuer tout ça. Voilà, allez, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé toutes ces vidéos jusqu'ici. Et moi, je vous dis ciao et je l'espère à la prochaine.